Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous ici, ça va très bien. On est content de vous retrouver pour une nouvelle capsule mode. Aujourd'hui, on vous propose comment avoir du style avec un chapeau. La bonne année avec la première vidéo de l'année. Bonne année! Bonne année! Donc 2020 est derrière nous. On laisse entrer 2021. Donc on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Voilà, plein de réussite, plein de bonheur, plein de joie. Oui, la santé et le bonheur. Oui. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici, on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Donc si tu as des problématiques stylistiques, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On se fera un plaisir de te répondre. Aujourd'hui, on a décidé de parler chapeau, de parler couvre-chef. Donc l'hiver s'est bien installé. Donc l'hiver, c'est la meilleure saison pour porter des chapeaux, des couvre-chefs. Le chapeau n'est pas que fonctionnel, donc il permet aussi d'améliorer son style. Donc on peut allier tout à fait style et chaleur ensemble, donc ce n'est pas incompatible. Il existe plusieurs types de couvre-chefs comme le chapeau avec ou sans bord, le bonnet, vous avez aussi le béret, la casquette et également le turban. Donc le chapeau, le couvre-chef, c'est un accessoire qui est facile à porter, que vous allez pouvoir mixer au gré de vos envies avec toutes vos tenues. Le couvre-chef, c'est l'accessoire mode qui renforcera votre style et qui donnera la touche finale à votre look. On vous propose 5 couvre-chefs qui vont vous aider à avoir du style en hiver. On commence avec le numéro 1, le fameux bonnet. C'est la forme la plus vieille de couvre-chef connue. Donc c'est un accessoire qui est tiré du vestiaire masculin et il a vraiment été popularisé par les marins. Donc c'est un accessoire qui est pour moi street, urbain, décontracté. Et aujourd'hui, on avait voulu vous proposer un look qui est plus dans le workwear. Voilà, avec le workwear, on peut très bien porter le bonnet. Donc, on vous propose le look avec un manteau classique, un pull, un pantalon et des bottines piton. C'est un look de bureau qu'on peut facilement décaler avec le bonnet. Moi, j'adore ce petit bonnet, cette petite couleur bleu électrique. Je trouve que ça marche très bien. Ça donne un petit coup de fouet à la tenue, voilà, tout en restant classique, sobre et élégant. En numéro 2, on a la casquette de marin. Donc, la casquette de marin, c'est un accessoire de nouveau tiré du vestiaire masculin. La casquette de marin apporte du style, de la dégaine. C'est la petite touche parisienne de vos looks. Donc moi, j'ai décidé de porter cette casquette de marin avec un manteau empoléné. Donc c'est le classique en ce moment pour l'hiver. Un sweat, un jean et une paire de bottes blanc cassé. Donc moi, j'adore ce combo et je trouve que c'est vraiment la casquette de marin qui donne la touche finale du look et qui apporte du style. En 3, vous avez l'indémodable, le béret. L'indémodable, l'indétrônable. Donc le béret, il a traversé toutes les grandes époques de l'histoire française. C'est le symbole de la tradition et de la résistance. Il symbolise aussi le glamour. On aime son petit côté rétro des années 30. Donc moi, aujourd'hui, j'ai voulu revisiter le béret avec un pull, un trench et des baskets. Ce béret en simili-cuir et cette association avec le trench en cuir, donc ça donne un côté glamour, un côté rock, donc ça donne de la force à ce look. Donc une association qui est facile et qui donnera vraiment du style. En 4, nous avons le chapeau classique à grand bord et en feutre, donc c'est le grand classique. Donc moi, pour ma tenue, j'ai voulu donner un côté chic décontracté avec un total look
look en jean que j'associe avec un pull irlandais, une paire de bottes zébrées et je finalise le tout avec mon manteau classique. C'est un style chic et décontracté, donc le chapeau vient apporter de la prestance, de l'élégance. En dernier, on vous propose le fameux bob. Alors moi j'adore cet accessoire, c'est vraiment l'accessoire nostalgique, c'est l'accessoire des années 90. J'adore. Il y a un côté un peu ringard, mais un peu old school. Moi j'aime bien. Et là j'ai voulu associer le bob d'une manière un peu chic, décontractée, avec le bob, avec un pantalon en cuir, un pull. Par-dessus, je vais mettre un manteau et je vais finaliser tout ça avec des baskets. C'est une tenue chic, décontractée. Je trouve que le bob, il vient bien décaler le style. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. On garde le contact dans les commentaires. Dites-nous quel est votre couvre-chef préféré. Si vous aussi, vous portez des chapeaux en hiver. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!